Hey, salut à tous, on part pour un nouvel unbox que m'a passé Kyodai Aniki. Il en reste 3 en stock à 880€ si t'es intéressé, je vous mets le lien. C'est Azrael, donc du jeu Batman Arkham Knight. Je me rappelais pas qu'il est dans le jeu, moi je me rappelais dans Arkham City à la fin. Là, c'est, bon, c'est vraiment la version jeu vidéo, on n'est pas sur la version comics, il est un peu différent. Même s'il a tout autant la classe, hein, donc l'ordre de Saint-Dumas, si je me rappelle bien. Avec son épée, style un peu templier, un peu méchant entre guillemets, enfin qui était un peu extrémiste dans ses... dans ses actions, puis finalement il a rejoint un peu la Bat Family, donc on le voit assez régulièrement. Un personnage assez classe, qui est tiraillé, qui a une personnalité, une double personnalité. Welcome to Gotham City, on a écrit. Bon, une boîte plutôt simple, hein, côté Primeway, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, on va la sortir. C'est du 1 tiers, donc c'est du costaud, hein, ça se voit à la boîte d'ailleurs. Mais c'est simple à monter pour une fois. Bon, il me faut un assistant là, Thierry. C'est bien de le regarder faire. Je voulais que ça se reposait, les mecs ils sont comme au ciné, ils ont les M&M's. Voilà la base. Donc je pense que c'est un peu les Azrael, parce qu'il y en a plusieurs si je me rappelle. Donc l'ordre de Saint-Dumas avec son casque. Base plutôt simple. Donc on voit qu'on. Hop, limité à 500 exemplaires. Numéro 381. Voilà, il y a le numéro. Arkham Knight, c'est le troisième jeu. Elle est assez lourde, mais bon. Après, ça prend pas trop de place, donc ça, c'est cool. On est vraiment que sur de la hauteur, hein, donc c'est assez simple à passer dans la collection. On a une notice hein, d'assemblage, très important. Il manque juste comment ranger dans la boîte. Ils le font d'habitude, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Là, on est sur une vieille résine, peut-être. Bon, ensuite, on va mettre le corps. J'ai mon assistant Shield toujours à côté, c'est pratique. Ça, par contre, c'est pas le même point. Voilà, elle doit être hors cadre, je pense. Pèse quand même pas mal. Alors c'est bien, ça va aller très vite à monter. Ça me fait plaisir. Bon, on a pas mal de chaînes. C'est propre, rien à dire. Ça aurait pu être moche, mais franchement, ça rend bien. On a des effets aussi toujours de sang. Ça, ils aiment bien, Prime One. Il y a des effets de sang un peu partout sur tous les bandages, en fait. Là, c'est tout abîmé. On a il s'est vraiment scratché. Il y a la couleur qui est partie. Non, franchement, c'est bien fait. Bon, à l'arrière, on mettra la cape. Ensuite, il faut placer la ceinture. Donc c'est du PU je pense, donc c'est assez flexible, ou du PVC même. Hein. Assez flexible, faut un peu forcer, puis vous vous mettez devant et derrière, il y a deux aimants. Donc l'épée d'Azrael, plutôt stylée. Alors ça c'est un peu le point, ça aurait été en métal, ça aurait été vraiment la classe. Après on n'est pas très cher, donc bon, c'est peut-être pour ça aussi, hein, pour du 1 tiers du moins. Bah, il suffit de la placer. Hein. Il suffit. Elle est en PVC du coup, hein, c'est pour ça qu'elle est légère, et voilà. Vraiment sympa, son design est cool, hein, franchement pour le coup. Alors le visage, je vous montre de près en zoom en même temps. Bon, il n'y a rien à dire de particulier, hein. Il est toujours masqué de toute façon. Ensuite on va passer à la capuche, à la Assassin's Creed. Hein. Bon, c'est facile à placer, pourquoi il y a, hop, ça se met tout seul. C'est bien, on va mettre la cape directement. Hop, un bon morceau. Là, il est en résine pour le coup, hein. Il est solide. Bon, c'est bien, c'est que c'est facile à monter. Et en plus, ça cache la ceinture, la marque de la ceinture à l'arrière. Hop, une première. Vous mettez la deuxième petite cape. Alors pour le coup, c'est assez joli. Hein. Il y a même des clous et tout. Là, c'est texturé et tout. J'aime bien sans que ça le soit trop. Franchement, c'est assez propre. Alors, c'est une statue assez simple. Hein. D'où le prix. Enfin, on en discutera après, mais c'est quand même une statue assez simple. Alors, bon, c'est facile à placer. On n'est pas du tout sur la même dynamique. C'est marrant, ça. Alors, c'était hyper bien protégé, hein, pour le coup, dans la boîte. Ça, c'est un bon point, mais vraiment, parce que ça pourrait casser. Mais bon, il y a de la soie pour sortir rapidement. Ils font tout ce qu'il faut dedans. Hein. Je vous montre à l'arrière en même temps. Il y a un petit effet, d'ailleurs. Hein. Elles sont un peu décalées, je pense. C'est pour montrer un peu de dynamisme, même si on est sur une pure muséum, hein, pour le coup, là. Ensuite, les épées. Je vous les montre, vous allez voir, c'est en métal. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est pas aimanté. Et ça a l'air assez facile à placer. On a des petites encoches ici. On montre en même temps. Et ici, ça fait un effet cuivre qui est pas mal fait, je trouve. Bon, c'est pas une statue avec beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de textures, beaucoup de détails. Hein. C'est assez simple. D'où le prix, hein, je vais vous le dire après. Mais vraiment, on est pas mal. Je reconnais bien le perso. Alors, on est sur un costume très particulier, hein, parce qu'il a vraiment pas ce costume dans le comics. Il est beaucoup plus coloré. Là, c'est vraiment la vision du jeu, hein, qui est très très sombre. Hein. Batman, le Joker, c'est pareil. Harley Quinn, c'est pareil. Il y a toute la gamme d'ailleurs, hein, avec Killer Croc, qui est vraiment sympa d'ailleurs. Bon, je vais vous montrer tout ça en zoom. Hein.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on est sur du 1 tiers, 82 cm de hauteur, elle prend vraiment pas beaucoup de place, un peu de largeur, très peu profonde, hein, donc très facile à placer. Elle est à 899$, mais elle est à 879€ chez Kyodai et Aniki, il y en a 3 en stock, donc n'hésitez pas, elle sera envoyée très rapidement. Il y a toute la gamme, si vous voulez vous faire, ça peut faire une super gamme. Vraiment, c'est pas très cher, hein. 500 exemplaires, donc pas un gros tirage, mais en même temps, on est sur un perso quand même assez secondaire. C'est pas étonnant. Moi, j'ai pas grand chose à en dire, hein. Ce genre de statut, c'est simple, c'est du muséum, c'est simple et efficace. Pas grand chose à discuter dessus. Ben voilà, ben, j'espère qu'elle vous a plu, puis on se retrouve la prochaine fois. Donc, bonne soirée ou bonne journée. Ciao!